Hi everybody! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où Charlie va vous faire découvrir un golf indoor qui fait super peur! Ah ouais, tiens, on voit déjà le son juste ici! C'est parti! Alors, il y a un clown tueur, un squelette, un zombie, là, je sais pas quoi. Je vais pas m'enfiler dans la bave, hein. C'est pas de la bave, mais... Tu crois que c'est de la bave par terre? Ouais. Moi, je crois que t'as raison. Là, c'est de la mort de zombies, je pense. T'as vu, papa, comme ça fait peur? Tous les monsters. Il y a quelqu'un là qui... Il y a quelqu'un qui est enterré et qui est ressorti. T'as vu? Un mort-vivant. Tac, tac, tac. Allez, je vous regarde. Regardez le château du monstre qui fait le plus peur. Ça va, Charlie? Allez, c'est parti. T'as vu pour le thème d'Halloween? C'est parfait, papa, n'est-ce pas? Ouais, c'est ouais. Hyper beau. Il y a des gens genre qui sont hyper vivants, ils sont hyper... Bon, regardez, ils illuminés. Oh, joli coup, joli coup. Joli coup, joli coup. Oh, ah bah il est ressorti, t'as fait une blague. Donc le coup... Oh, t'as réussi, bravo. Le coup, j'avais pas réussi, on va dire que ça compte pas, d'accord? Oui, ça compte pas, d'accord. C'est le squelette qui t'a fait une blague. Ouais, c'est ça. J'ai cru que le passage, il était tout droit. Est-ce qu'on filme papa aussi? Alors, on filme papa. On filme papa. Allez papa, c'est à deux mains. Alors donne. Les notes, on peut les mettre là comme ça, ils sont illuminés. D'accord? Oh, on veut les coups comme moi. Par contre là, ça va le tirer. C'est passé de l'autre côté. Tududum. Tududum. Moi, je me souviens de cette musique. J'avais entendu dans une vidéo. Mais ça, je ne sais pas écouter. Je ne sais pas si vous les connaissez. Elles sont même préférées. Oh! Bravo! Bon, allez, c'est parti pour le deuxième. C'est parti pour le deuxième. Alors, là, c'est un virage hyper compliqué. Joli coup, joli coup, joli coup, n'est-ce pas, papa? Très joli. Alors, comment tu trouves le décor d'Halloween? Il est terrible, hein? Ça fait peur, hein? Papa, il dit que c'est très bien. Bravo, Charlie! Joli coup! Il était tout petit, là! Il était tout petit, là, dans l'autre, il était pas trop petit. Il est pas mal. C'est sympa parce qu'avant, les balles, elles n'étaient pas phosphorescentes. Tu te rappelles, Charlie? Ah oui, c'est vrai, elles étaient bien normales et du coup, on les voyait pas. Et une fois, on l'avait mis en dehors et on l'a vu. Oui, on l'avait perdu. On l'avait perdu et du coup, on était re-aller acheter une balle et on était revenu. Ça, c'est bien fait. Parce que la dernière fois, c'était pas phosphorescent. Bravo, papa! C'est horrible, qu'est-ce qu'ils sont horribles tous ces monstres! Oh. Vous savez les monstres que je trouve le... C'est très bien. Vous savez les monstres que je trouve le plus terrible de tous? C'est lequel? C'est... Moi c'est celui-là. Oh, ouais, moi je dis que c'est celui-là. Oui. Wow. Ah oui, t'as raison, t'as raison. C'est génial parce qu'on a loué le golf rien que pour nous. Ouais. Pour faire la vidéo, c'est parfait. Non, c'est pas gratuit. Mais non, c'est pas gratuit. Il faut payer. Mais c'est sympa parce que on l'a rien que pour nous. Ça filme bien, tu filmes bien, tu vois. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est pas parce qu'il y a personne qui filme.
Ça donne super bien parce que tout est phosphorescent en fait. Regarde, regarde là-bas. Regarde quand je filme ça. C'est dingue, hein? Oui. Oui, il vient d'ouvrir tout juste. J'ai eu une bonne idée. Ouais, et moi aussi. Parce que c'est moi qui avais décidé en premier. Ah bon? Je pense que c'est maman quand même. Ah, c'est gentil. Tous les deux. Oui, tous les deux. Avec papa aussi. Hein. Avec papa aussi. Il a oui. Bravo, joli coup. Allez, à papa. Par contre, on va dire les coups à la fin. Oh, joli coup dans le trou. Joli coup, papa. C'était presque, ça y était presque. Allez, papa. Bravo, joli coup. Qu'est-ce que c'est horrible. Qu'est-ce que c'est horrible. Ça fait peur. Tous ces monstres. Oh, regarde, il y a un dragon là. Joli coup, Charlie, bravo! À papa! La mère mortelle est contente. Oh, joli coup, ça! Non, je sais pas si c'est. Bon, je bouge un petit peu. Maman? Oui? Celui-là, il est très. Il fait très très peur à ce monstre-là. Oui, c'est la mère mortelle. C'était qui, ça? C'est un monstre. Mère mortelle? C'est la mère mortelle, je l'ai appelée. Maman? On va dire que ça se trouve c'est un clown tueur qui est mort. Oui voilà, on va dire ça. C'est un clown tueur qui est mort, qui est hyper mortel. Joli coup, papa. Merci. Le plus mortel de tous les mortels. Ah, Charlie, numéro 5, c'est Number 5. Are you ready? Alors maman, elle le fait pas exprès pour pas couper la vidéo. Hein. Elle fait pas... Ouais. Elle coupe pas. Donc, ça veut dire qu'elle va gagner à la fin, je pense. Ouh, il fait hyper peur. Oh, il est beau ce dragon, il est vraiment magnifique, je trouve. Ouais, et celui-là, surtout que ça, normalement, ça devait pas. On dirait qu'on pourrait, qu'on peut le toucher. Beau dragon, ça. Un beau dragon adopté. C'est dingue, parce que c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. Un dragon adopté. Adopté. Bravo Charlie. Bravo. Bravo, joli coup. Un vrai coup hyper fort et ça allait dans le trou. Ça c'est hyper. Ça c'est hyper joli, ça veut dire hein, ce que j'avais fait. Papa, il a fait la même chose que moi tout à l'heure. Exactement. Je vais essayer de me placer comme tu l'as si bien fait. C'est loupé. Voilà qui est mieux. Bravo! C'est parti, on va chez le chien terrifiant. Ouais. Charlie, c'est à toi. Le chien terrifiant. C'est Foxy qui s'est transformé. Oh oui, en loup-garou. Oui, c'est ça. En loup-garou zombie, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Aussi un petit peu en dragon. Hein. Dragon, loup-garou, zombie. Alors les amis, vous pensez que c'est un dragon, un loup-garou ou un zombie? Je
dis que c'est un dragon et en même temps un zombie. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Oui. Les zombies comme dans Minecraft. Yes. Ouh. Ouh. Go, bravo Charlie. Attends, parce que là, je filme papa. Bravo, joli coup. Et là, nous sommes devant l'œil de Cyclope horrible. Oui, et surtout la chenille mortelle. La chenille mortelle. Vas-y, joue, chérie love. Dès que je vois cette chenille mortelle, je cours à la maison, je ferme toutes les issues. D'accord. Alors si je vois des zombies juste devant moi et des araignées mortelles autour de moi, vous savez ce que je ferai? Je les frappe. D'accord. Dans le crâne. Non, je pense que la meilleure solution, c'est fuir. Dans ce cas-là, oui, c'est fui. Charlie, il y a une bête qui veut te mordre. Derrière toi. Où ça? Là. Oh, quelle horreur! Oh, ouais, en plus, ça arrive de la voix. Vas-y, chérie. Alors, je me déconcentre pas. Alors, ce golf, il est très très bien réussi. Vous savez pourquoi? Non. Parce que, en fait, les monstres nous déconcentrent. En fait, c'est ça. Bravo, joli coup. En fait, les monstres nous déconcentrent, c'est en fait ça qui est le piège. Merci pour le piège. Allez, papa, c'est à toi. Attention, ne tombe pas dans le piège. Hein. Ne mets pas ta balle dans le monsieur là, crâne. Hein. Si tu la mets dedans, je pense que c'est la fin. Il va se réveiller en ce moment. Parce que là, il est mort. Il y avait moyen de la faire passer en une fois. Ouais, il a moyen, mais tu dois faire un grand coup et en même temps un moyen coup. Tout à fait. Comme moi, j'ai fait. Et par contre, moi, j'avais tapé le mur. Mais sinon, c'était la même chose. Vous êtes prêts pour la suite terrifiante? Charlie, de quelle couleur? Comment on dit en anglais le serpent qu'il y a là? Snake. Bravo! Des araignées rouges. Spiders are red. Yes, j'ai hyper. Vas-y chérie, c'est à toi. Il y a la sorcière qui t'attend. Oui, c'est ça. Moi, je vais jamais oublier le mot serpent parce que moi, je l'avais lu dans un livre. Alors, si vous voulez passer en un coup de la sorcière, il fallait faire un beau coup droit. Tout à fait, papa tentera. De faire le beau coup droit. Passez. Pas trop. Ouais, heureusement qu'elle était éclairée. Si elle n'était pas éclairée, moi je l'avais pas vue. Hein. Elle était au milieu du truc, juste à côté. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Ouh, ça c'est moyen de faire un arc ou un trou. Oui. Bravo! C'est au tour de papa. Je me tue, madame la sorcière. Vous avez vu, elle est très très gentille. Bon, câlin! Câlin! Je vais mettre mon globe ici et je vais lui faire un câlin sur la fleur méchante. Ensuite, bon câlin à la sorcière. On fait une photo, d'accord? Non, je filme. Bravo! Almost a birdie. Presque un birdie. Ah ouais, attends, je vais te filmer. Vas-y. Tu fais une photo. En même je temps. Ferai une photo après. Voilà, c'est fait. Oui. À la fin de la vidéo, on va revenir ici, on va faire une photo. D'accord. Et ensuite, on va refaire la vidéo ici. Ok. Et ensuite, on va partir. Et ensuite, on va faire. Ça c'est dommage. Ah oui, t'aurais pu le faire en un coup. Ah, dommage. Bravo, Charlie. As-tu ton club et ta balle pour continuer? Là.
les champignons vénéneux. Et la forêt. Hyper belle, en plus avec beaucoup de jolis, avec des arbres, ça des champignons hyper beaux. Je trouve ça joli. Merci le crâne. Alors le virage, on peut le passer en un coup, mais alors il faut taper juste ici. Exactement. Voilà. D'accord. Ah papa! Essaye de taper au chariot. Ouf! Si je te mets. Exactement. Donc j'ai fait ce que tu m'as conseillé de faire, j'ai tapé là où tu as dit. Ouais, c'est juste ici. Et du coup, t'as réussi. J'avais bien raison, c'était mon idée en plus. Tout à fait, c'est ton idée. Donc normalement, c'était moi qui devais faire ça aussi. Parce que moi, j'ai. Oui, mais moi, je suis un petit. Un petit pigeon. Oh, oh là, je pouvais le faire en un coup, ça c'est vrai. Bravo. Tout à fait. Mais il a fait un rebondi, il est passé au-dessus. Ah papa. Oh, t'as vu le beau radiateur, hein? Et il fait... Il est pas du tout chaud. Je sais pas vous, mais moi j'ai fait un rebondi. Non, on fait d'abord la vidéo. Allez, c'est parti. On. Bravo, on continue. Tous les noms de coups, celui-là, il était, le 10, il est hyper facile. Hein. Vous avez vu les belles araignées? Oh, comme elles sont gentilles, t'as vu? Hyper gentilles. Oh, joli coup. Vas-y. Je vais faire un bisou. Oui, dans la vraie vie, si tu veux une araignée comme ça, tu t'en cours. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Tiens, je vais dire encore. Oui, ça existe dans la forêt amazonienne. Ça existe dans la forêt amazonienne? Elles sont empoisonnées? Oui. Bravo! À Charlie, allez! Par là! L'entrée est par là! Il faut passer en dessous de l'araignée. Le trou, il est là. Attention qu'elle ne se mette pas à bouger. Allez, il ne faut jamais revenir ici le soir d'Halloween parce que le soir d'Halloween, tous les monstres prennent vie. Je pars d'ici et je fais le coup. Et tu mets ta balle dans le trou. Non. On va recommencer, d'accord? D'accord, on recommence. Parce que là, c'est un petit. C'est un coup de rien du tout. Oui, parce que maman faisait une blague. Elle a dit que le soir d'Halloween, normalement. Tous les monstres prenaient vie. Oh, mais après, elle revient où ils étaient. Oh, joli coup! Dans l'axe, oui. Et c'est dans l'axe, concentre-toi. Il faut dire que le golf nous attendait pour qu'on fasse la vidéo, n'est-ce pas? Il est hyper beau et il n'y a personne à part nous, c'est génial. Papa, il a décidé de jouer au tennis en fait. Et cette araignée, elle existe dans la Amazonie? Je sais pas. Moi, je dis qu'elle existe. Attends, regarde, papa joue. Moi, je dis qu'elle existe dans la Amazonie.
Mais non, elles ne sont pas aussi grosses que ça. Il y a des grosses araignées en Amazonie, mais elles sont quand même pas aussi grosses que ça. Oh, regarde, j'ai cru qu'il y avait que ce chemin, mais il y a un petit chemin là au cas où. Il stocke un peu plus facilement. Alors, grand coup, hein, Charlie. Ouais. Wow. Trop grand coup, hein. Tiens. Parce que là, j'avais commencé. Oh, j'ai pas eu de la toucher. Si on la touche, c'est fini, on est mort. Oui. Est-ce qu'en Amazonie, si on la touche, on est mort. Ah, parce qu'il est empoisonné. Ah, je vais jamais aller en Amazonie. C'est une sage décision. Parce que moi, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir avec les grosses araignées. En Amazonie, il y a des gens qui ont des massues. Qui ont des massues. Oui, qui ont des massues. Bravo! Autour de papa. Il y a des gens qui ont des massues. Et après, on sort de la forêt avec les monstres pour aller voir les squelettes. Oui. Parce que, en plus d'être un golf avec des monstres, c'est un labyrinthe. Après, il faut savoir en sortir, papa. Ça, tu le savais pas, n'est-ce pas? On fait un petit cache-cache, en fait. Après, on va se faire un cache-cache. Dans ce golf, hein. Oh, c'est ça. Ouais. Il va avoir peur. Alors, on se fait cache-cache. Ouais. T'as vu, ça bouge. Regarde. On s'est repoussé. C'est un cache-cache, ça veut dire. Ouh, il y a Dracula. Cache-cache. Charlie, tu veux faire cache-cache? Après la vidéo, quand même. Non, mais on fait un 3 le cache-cache, hein. Ah oui. Avec maman aussi. Bah oui, maman filme même pas, maman va se cacher. 14, les deux momies vont sortir dans quelques minutes. Les squelettes, ouais. Oui, que je mette la balle dans le trou, sinon elles vont sortir. C'est dingue. Alors papa, combien? Deux. Waouh. Allez chérie, tu fais le 15e, c'est Dracula le 15e, il faut passer en dessous de sa guillotine. Dracula, il s'appelle Dracula? C'est un vampire. À l'époque, c'était vraiment un vampire ou pas? Oh. À l'époque, il existait Dracula. C'était le conte de Dracula. Connaissez-vous l'histoire du conte de Dracula? Moi, je connais pas l'histoire de Dracula. Je l'ai juste à moitié, mais pas tout l'histoire. Ça c'est vrai. Ah, le cul. Alors le coup du blocage, là, j'en peux pas. J'aurais pu la faire sortir parce que j'ai fait un grand coup, ça c'est vrai. Oui, belle approche. À papa. À papa. Ouh. Il est repassé dans Dracula. Dracula. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Dracula? À l'époque, c'était un humain ou je rêve? C'est un humain qui a été mordu par une bestiole sauvage et qui s'est transformé en vampire. Une grosse bête. Une bébête comme ça. Ça fait peur. Ouh. Le conte de Dracula. Le conte de Dracula? Oh, elle est bloquée, tu dois passer en dessous du chien terrifiant. Celui-là, il n'y a pas de doute, c'est un loup-garou. Hein. C'est Foxy qui a mangé trop de saucisses. C'est ça. Ça, c'est Foxy quand il va chez les voisins. Il leur donne trop de saucisses. Il leur donne une saucisse méchante et il se transforme en loup-garou. C'est Foxy qui s'est transformé en loup-garou. Bravo Charlie, à papa! Moi, je vais jamais... C'est chez Foxy Loup-Garou!
Foxy the Girl. Moi, je vais déjà commencer par le lycée parce que là, moi, je veux directement finir. Hein. D'accord. Il y a un monsieur avec une hache là, qui est oui. très gentil. Très gentil. Allez, tu vois la balle ? Oh, mais le 17, il est pas facile ! Ah, elle est bloquée. C'est comme le 10 ! Attention à la tête de papa avec ton club. Ah, ça c'est Foxy qui te fait une petite blague. Avec ses fesses. Et mon bras, c'est pas sûr. En fait, il veut... Bravo Charlie! Maintenant, il faut retrouver la balle de papa. Oui, regarde plus souvent la balle de papa, parce que moi, j'arrive pas à la voir, c'est tout normal. Ah ouais, elle est juste au milieu. Ouais, c'est la prendre. Super, merci. Allez, Charlie Love, fais le dernier. Le labyrinthe. Le labyrinthe. Pas trop, sinon elle va sortir. Oui, c'est vrai, mais il faut faire un grand coup si on veut le faire. Et pas un si grand coup que ça, genre, comme ça. Wouh! Oh, c'est génial, c'est génial. J'ai sauté. Ça, c'était fou, hein, quand j'avais sauté. Ah. Bravo! Bon, papa a déclaré forfait, alors les amis, c'est Charlie le grand gagnant. Bravo Charlie, tu as gagné. Oui, parce que moi j'ai fait... Non, on va d'abord... Ah, papa n'a pas déclaré forfait? Papa avait l'air tellement fatigué que je me suis dit qu'il avait déclaré forfait. Ah. Il n'a pas fait comme moi, mais par contre, il a fait un coup rapide. Hein. Il n'a pas fait tout le labyrinthe dans une seconde, mais en tout cas, il a fait un coup fort. N'est-ce pas? Parce que la dernière fois, moi, j'avais tapé. Charlie, là, je vois pas, t'es juste dans l'axe du téléphone. En fait, moi, en fait, j'avais tapé. Ouh, ça, c'est une petite tricherie. Ça avait tapé, là. Ensuite, bon, les amis, hi everybody, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus, de commenter, d'activer les notifications et surtout de vous... Ouais. Tu dis au revoir, Charlie? Au revoir. Ciao, ciao, papa. Ciao, 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 ciao everybody.